en premier. Vous pouvez fermer les yeux si ça peut vous aider à mieux vous concentrer. Ne dites rien quand vous entendez ce son. Gardez dans votre tête. Je le ferai écouter une deuxième fois, puis une troisième fois. Et lorsqu'on aura fini les trois fois, vous pourrez me dire si vous avez deviné. Poissonneuse. Pas mal. Vous y êtes presque. C'est exactement le même système. Une agrafeuse. C'est Mireille qui m'a dit qu'elle. Elle m'a amené sur la voie. Exactement. J'ai déjà mis les petits papiers, j'ai mis les crayons et j'aimerais, si vous voulez bien, que vous notiez les 5 sons que nous avons écoutés à l'instant. Dans l'ordre ou dans le désordre. Alors vous devez noter les sons dont nous avons parlé à l'instant. Il y en a 5. Combien il y en avait, ces sons? Donc vous savez qu'il y en a 5. Après, qu'on les mette dans l'ordre ou dans le désordre, ça n'a pas d'importance. Est-ce que vous avez trouvé les 5? Oui. Moi, j'ai mis 4. 4. 4 aussi. J'ai mis les 5. Alors, ils sont pas dans l'ordre. Emmanuel, dites-moi les vôtres. Le bruit de l'ascenseur et le bruit du bol. Ensuite, pour vous. Moi, j'ai allumette, ballon, ascenseur, bruit. Très bien, il nous en manque un. Oui, d'accord. Ascenseur, ballon et bruit. Très bien. Jamila, pour vous, c'était l'allumette aussi, le premier son. Oui. Et comment vous avez fait pour vous en rappeler? Ce qui m'a fait repenser, c'est quand je vous ai dit qu'on entendait le souffle. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans sa tête pour retenir une information? Ça peut être une information qu'on a vue, ou une information qu'on a entendue. Bonne année.